Voilà, désolé, on est parvenu vers vous plus tôt aujourd'hui, mais on a bien avancé. Voilà la maison, dernier épisode ce soir. On va préparer la mise en sous-toiture, en fait, pour la mettre hors d'eau, parce que finalement, il fait un peu moins beau ce soir que toute la journée. Pas de souci, on a encore du temps pour terminer ça. Mais je voulais vous présenter, tout à l'heure, je vous en parlais, je voulais vous présenter Jérémy. Bonjour. Salut Jérémy. Bonjour. Alors, dis-moi un peu, quel âge tu as, Jérémy? J'ai 16 ans. Tu as 16 ans, et qu'est-ce que tu fais, en fait, dans l'entreprise? En contrat d'apprentissage à la rentrée de septembre, là, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Je sors de CAP Munitier Installateur. D'accord. Que j'ai obtenu. Ouais. J'avais fait plusieurs stages chez Comme en France. Ouais. Et ça m'avait beaucoup plu. Je me suis intéressé à la charpente. Et du coup, j'en ai parlé avec Christian Marquis, mon employeur. Et pour faire un apprentissage. Voilà, superbe. Et alors donc du coup, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de charpentier finalement? Qu'est-ce qui me plaît? C'est un métier plutôt fascinant. D'accord. Surtout la construction, on part de pas grand-chose et on finit un résultat plutôt satisfaisant. Ok. Surtout ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. La surélévation. Ça t'a plu ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui, c'est fascinant. Oh, ok. Ok, t'as été utile en fait à l'équipe, c'est bien. T'as apporté de la logistique, t'as apporté pas mal de choses. Oui. Hein? Ok, très très bien. Eh ben, merci Jérémy, on va te souhaiter un bon parcours chez nous. Merci. Voilà, plein de réussite. Continue comme ça, t'es bien parti. Au revoir. Super. Voilà, on va terminer sur ces images-là en fait. La charpente est un super métier évidemment. Les jeunes qui voudraient venir nous rejoindre, il y a des tas de centres de formation un peu partout. Il y a notamment dans l'Eure, on a le centre régional de formation à Bourterroule, le CRF-BTP, qui est un super centre de formation avec lequel on travaille régulièrement et qui forme des jeunes en fait. Voilà, là on est en train de mettre la sous-toiture. Jérémy est parti avec un rouleau en fait et c'est parti, on va mettre la maison hors d'eau complètement en fait et puis ce sera fini pour aujourd'hui, on aura fait une belle journée, transformé une maison complètement. Voilà, à bientôt, on essaiera de refaire quelques lives en fait, mais aujourd'hui on voulait partager avec vous cette surélévation en Normandie qui nous a fait vraiment plaisir parce que c'est la première fois qu'on en faisait une aussi grande et on est assez fiers du résultat vu de ce soir. À bientôt, merci.